English lessons for beginners. Hello, how are you? It's Mike speaking. I'm your teacher. I'm your English teacher. Together, we're going to see the lesson 1.4.1. In this lesson, we will see how to use the contracted forms of subjects pronouns in sentences. Dans cette leçon, nous allons voir ensemble comment utiliser les formes contractées des pronoms sujets dans les phrases. Dans un premier temps, dans cet exercice, je vais vous expliquer et je vous demanderai donc de répéter en temps utile. Dans un deuxième temps, je vous demanderai donc d'écouter, mais vous aurez donc à écrire sur un document approprié que vous verrez ensuite et sur lequel vous aurez donc à écrire directement ce que vous croyez avoir entendu. Je vous rappelle que les formes simples sont en général les formes qui sont utilisées lorsque l'on écrit sur des documents, alors que les formes contractées sont très très souvent utilisées lors des conversations courantes en anglais. Are you ready? Okay, let's go. Au présent, to be, le verbe être, dans la forme affirmative, nous avons donc la forme simple et contractée que nous avons vue dans la leçon précédente. Je suis s'écrit I am et se prononce I'm en forme contractée. Alors, vous allez répéter après moi. Dans un premier temps, je donne la forme simple et ensuite la forme contractée, je vous demande de répéter. Ready? Okay, let's go. I am, I'm. Répétez les deux. I am, I'm. You are, you're. He is, is. She is, she is. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, there. Si l'exercice va un peu trop vite, n'hésitez pas à stopper le lecteur, à revenir en arrière et à refaire l'exercice aussi souvent que nécessaire. D'ailleurs, à cet effet, rappelez-vous que ce n'est pas en effectuant l'exercice une et une seule fois que vous apprendrez à mémoriser. Voyons maintenant la forme négative, simple et contractée. I am not. I'm not. Répétez. You are not. You're not. You aren't. He is not. Is not. He isn't. Répétez, bien sûr. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. We are not. We're not. We aren't. You are not. You're not. You aren't. They are not. They're not.
They aren't. Great. Voyons maintenant, avec l'exercice 1.3.3 et les phrases concernées, comment écrire et prononcer les formes contractées en forme affirmative sur le verbe être. Ok, deuxième série d'exercices. To be, présent simple. Je vais donc prononcer les phrases et je vais utiliser la forme contractée. Ready? Ok, let's go. I'm a student. You're a man. She is a woman. We're family. They're friends. It's a dog. It's a bike. It's cold today. They're in the car. Andrew and Monique are at home. He is in the kitchen. She is in a room. It's a nice car. It's a nice photo of you. It's possible. It's a table. It's not my car. It isn't my car. You and I are married. You and you are winners. We're together today. Vous avez remarqué dans cet exercice que les formes contractées étaient utilisées un maximum, mais que dans certains cas, comme Andrew and Monique, you and I, you and you, les formes contractées n'existent pas. Il faut donc utiliser les verbes dans ce cas. Écoutez de nouveau cet exercice et à l'aide de la feuille vierge, écrivez de nouveau ce que vous avez entendu. Thank you. See you soon on the next exercise. English lessons for beginners.